L'objectif, c'est déjà d'être à l'arrivée, parce que c'est toujours compliqué en Corse. Et puis d'être sur le podium, et puis, si possible, le mieux possible. Ben, le Tour de Corse, Porsche est venu nous chercher, Vic Elford et moi-même, parce qu'on a tous les deux couru le Tour de Corse sur des 911R. Et c'est un souvenir fantastique. Moi, j'ai gagné en 69. Presque 50 ans. 1968 était la première fois quand j'ai fait le Tour de Corse pour la 4e ou 5e fois. Et ça me fait énormément de plaisir de me retrouver en Corse pour la première fois depuis 50 ans. J'adore la Corse. J'adore les Corses. Non, malheureusement, cette année, je fais l'impasse. L'année dernière, c'était super de le faire. Mais bon, ça prend du temps déjà de le faire, on le sait tous. Sincèrement, ce week-end, ce sera un week-end libre pour moi. Je reste là 3 jours, puis je rentrerai un peu en famille. Ça fait un moment que je n'ai pas eu. De s'amuser. Pour madame et moi, gagner, comme d'habitude. Dans les différents modèles que l'on retrouve. Donc, ici, les victoires dans la famille Amera. Ça fonctionne pas, on ne sait pas. On a un problème moteur, on ne sait pas. Donc on essaie de trouver, on avance, on essaie de trouver. We'll be right back.
un petit peu calmé, quoi, je veux dire. Mais j'ai trouvé la spéciale très très glissante. La mise en route un peu difficile, comme tous les matins. Donc, sur 5 ou 6 km jusqu'à Nouvelle, c'était un petit peu galère, mais je pense que ça sera pour tout le monde. Puis à la remontée, on s'est lâché un petit peu, c'était sympa. Et on a descendu à peu près 5 mètres. 5 mètres, pas de falaise, mais jusqu'à la rivière. On se bagarre avec Jean-Pierre Lajournal. En réfléchissant bien, c'est vrai que c'est la bagarre pour la deuxième. On a réussi à sauver notre deuxième place, mais pour quelques secondes seulement. Donc on va voir aujourd'hui, mais ça va être compliqué. J'ai pris une mauvaise pierre au mauvais endroit, on a fait 5 km avec la roue crevée. Mais j'ai freiné trop tard et je suis parti les deux roues en bascule dans le vide. On a fait un joli tête à queue dans la 2. À domicile, ça fait toujours plaisir quand on fait un scratch devant nos supporters, je dirais.
Tout faire, on cherche la panne parce que demain on veut aller fritouiller avec le monsieur Poudrel. De stress, surtout la fin. On a toujours la peur, le dernier jour du petit pépin mécanique qui gâche tout, mais et puis une concurrence quand même qui est toujours au top. Hein. Jean-Pierre a roulé comme un calus de première, il a fait deux fois le scratch, donc on était repassé quatrième. Et j'avais pris la troisième place et puis dans la dernière spéciale, là, je me suis fait piéger avec les pneus froids, un petit peu de poussière, j'ai fait un tête à queue. Je pense que ça va s'expliquer jusqu'au bout, ça va être encore un peu chaud, mais c'est ça qui est bon. Déjà attendre d'être à Bordeaux et puis on verra après. Oui, ça y est, c'est bon. Après trois tentatives, la quatrième était la bonne. Et vraiment, c'est un grand soulagement et une grande satisfaction pour toute l'équipe. Tabou a fait une super expérience et un rêve réalisé pour nous deux.